Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue au stade des Charmilles de Genève pour ce 32e de finale, retour de la Coupe UEFA. Et on va assister donc à Servette de Genève face à Sochaux, les Sochaliens qui s'étaient imposés à l'aller, vous l'aviez vu, avec rétroplay 80, 1-0 au plus petit des scores grâce à un but de Patrick Révelli, le grand habitué de ces matchs de Coupe d'Europe. Et voilà donc ce soir Sochaux qui peut se qualifier pour les 16e de finale, et pour cela il va falloir faire un résultat. Un match nul sera totalement suffisant, mais attention à ne pas se faire surprendre par cette belle équipe du Servette Genève. Et voilà donc les joueurs qui sont rentrés sur le terrain, le match qui va commencer d'un moment ou un autre. La composition des deux équipes, il n'y a pas de changement, on retrouve le même 11 dans les deux équipes. Voilà, avec une attaque Maté Cucinotta pour le Servette, et une attaque Patrick Révelli, Yannick Stopira. Voilà donc Sochaux qui peut, ils font un bon match, se qualifier pour les 16e de finale. Ce serait une grande première pour cette équipe sochalienne. Voilà, le match va débuter. À la mi-temps, vous aurez le résumé de Saint-Étienne contre Kiopo. Les Stéphanois qui s'étaient imposés 3 buts à 0 à l'aller. Et vous aurez le retour, le match s'est joué cet après-midi. Et ce sera résumé par Rétroplay 80. Voilà, le match a débuté il y a quelques instants. Et là, c'est Gengini qui a le ballon pour Yannick Stopira. Peut-être la première action du match. Stopira, il a préféré passer. Ah, l'arbitre qui siffle sûrement. Ah, penalty pour Sochaux. Alors là, j'aimerais bien voir le ralenti car je ne comprends pas trop. Oh là là, c'est vraiment un penalty généreux. C'est Révelli qui va le frapper. C'est arrêté. Attention, il va le reprendre. C'est au-dessus. Oh, le match démarre sur les chapeaux de roue. Et malheureusement, Sochaux qui loupe d'entrée un penalty. Un but tout fait. J'espère que ça ne portera pas préjudice à cette équipe pour la suite. Voilà, car louper un penalty, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile. Et même quand on s'appelle Patrick Révelli, on peut louper ce genre d'épreuve. Malheureusement, toujours à 0-0. Toujours l'avantage de 1-0 pour Sochaux sur l'ensemble des deux matchs. Anziani qui va essayer de récupérer pour Révelli, justement la passe pour Djadaoui. Ouais, c'est perdu, c'est repris par Cucinotta, mais c'est repris par Anziani pas longtemps. Cucinotta pour Schneider. Ouais, Schneider qui perd le ballon. Dutoit qui récupère pour Swigart. Dutoit toujours face à Stopira. Ouais, Dutoit il a pas trop de solution, il perd le ballon, c'est Gengini maintenant pour Révelli. Et il n'y a pas de solution non plus, Révelli. Il va pouvoir passer pour Anziani. Il a 1-2 pour Révelli qui ne peut pas récupérer ce ballon. Ça va être dégagé. On voit déjà les Sochaliens qui sont engagés dans ce match. Ils ont envie de ramener un résultat. Et ce serait la première fois qu'ils se qualifieraient pour le tour suivant. C'est vrai que c'est pas forcément une équipe habituée aux grandes soirées d'Europe. Allez, Révelli. Révelli, la frappe de Révelli, ouais, bel arrêt de Milani. Mais c'est vrai que quand on regarde cette composition, et Rétroplay 80, on parlait la semaine dernière, quand on voit cette composition, on peut se dire que cette équipe est taillée pour battre des grandes équipes, vraiment faire des résultats. Maté, ouais, elle est bousculée, ça va être un coup franc pour le Servette. Cucinotta pour personne, ça va être dégagé. Ruti qui avait enlevé ce ballon. Attention, Guyot qui reprend. Guyot, ouais, ça va être en corner. Premier corner de cette partie qui va être tiré par Maté. Attention à bien prendre tout le monde. Ça passe au-dessus, heureusement pour les Sochaliens. Schneider à la tête, complètement dévissé. Voilà, comme on peut le voir, le stade des Charmilles est rempli ce soir avec un bon nombre de Sochaliens venus, allez, presque en voisin. Anziani, le centre. Ouais, c'est détourné, il va y avoir, je pense, un corner. Allez, Ivezic qui va tirer ce corner. À la 15e minute, Gengini qui peut pas récupérer. Et c'est récupéré par Mustapha. Pour Schneider, Mustapha, Dutoit. Ouais, c'est repris par Djadaoui, mais pas pour longtemps, malheureusement. Allez, Valentini, là, du côté du Servette pour le moment.
On se contente de défendre. Koutaz pour Valentini. Bien joué pour Dutoit. Maté. Schneider, ouais, il est fauché, mais l'arbitre ne dit rien, ça continue, c'est les Sochaliens, pardon, qui ont le ballon avec Revelli. Revelli pour Gengini, ouais, il n'a pas trouvé Stopira, malheureusement, son ballon a été détourné, ouais, la faute, faute au milieu de terrain. Il y a de l'engagement, il y a de l'engagement, voilà, c'est ce qu'on veut voir, on veut voir des Sochaliens présents dans ce match-là, pas se contenter de défendre. Et pour le moment, bah, les Sochaliens ont pas mal d'action. Ivezic pour Gengini. Alors, on passe pour Benoît sur le côté. Benoît, il est face à Valentini. Allez, Benoît qui centre. Ouais, personne à la récupération. Peut-être Anziani qui remet dans le tas. Jadawi, Ivezic. Ah, qui a voulu tenter la balle piquée pour Patrick Revelli. Heureusement, il obtient un nouveau corner pour les Sochaliens. Allez, 24e minute de jeu, toujours 0-0. Corner pour Sochaux. Stopira de la tête, il ne peut pas récupérer. Et c'est dégagé une nouvelle fois. Mais heureusement, Jadawi qui récupère et les joueurs du Servette qui n'arrivent pas à sortir de leur terrain. Attention, Gengini maintenant. Gengini toujours. Ouais, c'est perdu malheureusement. Il a tenté de remettre le ballon sur Anziani, ça n'a pas marché. Ivezic. Et c'est récupéré par les joueurs du Servette avec Valentini. Ouais, c'est perdu, c'est vite perdu les ballons des joueurs suisses. Anziani. Qui perd le ballon à son tour. Dutoit. Cucinotta pour Guyot. Je crois que c'est son premier ballon à Guyot pour de ce match. Le petit centre, attention, la frappe, bel arrêt de Albert Russe. C'est son premier de cette rencontre. Voilà, ça montre qu'il est présent pour le moment. Il n'a pas tremblé, c'était une frappe, une belle frappe en plus. Allez, Gengini pour Benoît. Allez, Benoît qui est pris par personne, là. Il va sûrement centrer, peut-être pour Stopira, ça passe à côté. Ça passe à côté. Oh, il la prend vraiment sur le côté du visage, sur la joue. Ça aurait pu tromper Milani, mais bon, Milani n'a pas bougé. Ça veut peut-être dire qu'il se doutait que le ballon allait sortir. Mais ça aurait pu complètement le... Il aurait pu se faire prendre aussi. Allez, Gengini, peut-être pour le centre. Personne à la récupération. Hein. C'est dommage, les centres n'aboutissent pas pour le moment. Mais on pousse du côté des Sochaliens. Il y a bien un moment où ça va rentrer. Ouais, faute de Jadawi. Et coup franc pour les... pour Genève. Pour le moment, Genève hein, qui obtient très peu d'occasions. Mais les deux occasions obtenues, c'était des occasions de but. Stopira. Qu'attend. Du soutien. Ouais, faute. Là, on va tirer un coup franc au milieu de terrain. Gengini. Benoît pour Gengini. Il va s'enfermer sur le côté gauche, mais il court plus vite que les deux défenseurs. Le centre, peut-être pour Revelli, qui ne peut pas récupérer. Ivezic à la récupération, c'est perdu. Swigart, attention, Jadawi qui frappe et but. But pour le Sochalien. Et voilà l'ouverture du score pour le FC Sochaux. Meilleur des moments, à peu près 37e minute de jeu. Et voilà Sochaux qui accroît son avantage. Et qui sur sur l'ensemble des deux matchs mène maintenant 2-0. Un bon bol d'air frais pour les Sochaliens. Regardez Jadawi qui arrive à chipper le ballon. La frappe en dehors de la surface. Et je pense que le portier suisse est gêné. Voilà, 38e minute de jeu. Donc 1-0 pour les Sochaliens qui marquent au meilleur moment du match. Et là, ce serait vraiment une très belle opération. De 1-0. Et maintenant, il va falloir essayer de contenir cette équipe du Servette. Bon, pour le moment, il n'y a pas eu énormément d'occasions. Si le match en seconde période se déroule comme ça, ce sera
Tout bénef pour les Sochaliens. Ivezic qui tente de trouver Revelli, mais ils se sont pas compris. Et c'est récupéré par les joueurs du Servette avec Bizzini. Dutoit, c'est repris par Ivezic. Anziani. Allez, juste avant la mi-temps. On est à 3 minutes à peu près. Et c'est une touche pour les Sochaliens. Ivezic pour Revelli. C'est bien joué. Allez, Revelli dans la surface. Pour Stopira. Il est déséquilibré. Frappe et le but. FC Sochaux 2, Servette de Genève 0. Et sur l'ensemble des deux matchs, les Sochaliens mènent par 3 buts à 0 maintenant. Soyons fous, mais la messe est dite. Ah, les Sochaliens, voilà, qui marquent un deuxième but sur une nouvelle fois une grosse erreur défensive. Personne sur Revelli qui a le temps en plus de se retourner. De passer pour Stopira, certes la passe est contrée, Stopira est déséquilibré, mais il peut se replacer, frapper et tromper une deuxième fois le portier du Servette. Ça fait 2 à 0 pour les Sochaliens, juste avant la mi-temps, de quoi refroidir tout un stade et de quoi dégoûter une équipe adverse. Mais attention à la réaction là avec Cucinotta. Ouais, c'est bien joué, belle beau tacle défensif. Revelli pour Stopira. Allez, peut-être une nouvelle action juste avant la mi-temps. Non, il est déséquilibré, l'arbitre ne dit rien. Voilà, c'est la mi-temps sur ce joli score de 2 buts à 0 en faveur des Sochaliens. Je vous laisse avec les meilleurs moments de cette première période. Et à la mi-temps, vous aurez droit à un petit résumé entre Saint-Étienne et Kuopio, les Finlandais, qui s'est joué cet après-midi au stade Geoffroy Guichard. On se retrouve dans 15 minutes, à tout à l'heure. Saint-Étienne qui recevait les modestes Finlandais du Kuopio Palloseura après leur victoire 3-0 au match aller. Ce match retour s'annonçait bien évidemment comme une formalité pour les Stéphanois à Geoffroy Guichard. Et on va voir que les Stéphanois ont bien évidemment pris le match à leur compte. Michel Platini, on est dès la troisième minute, il fait un festival, il crochet tout le monde, il sert Johnny Rep. Johnny Rep qui frappe et sa frappe heurte le poteau. Et c'est déjà une chaude alerte à la troisième minute. Saint-Etienne continue sa pression à l'entrée de la surface de réparation. Platini qui fait le pressing, Johnny Rep en profite. Johnny Rep qui s'avance, Johnny Rep qui crochette mais qui perd son duel. Et ensuite, le ballon finira en corner. Nous sommes à la sixième minute. La défense finlandaise est déjà au bord de la rupture face à des Stéphanois qui ont pris ce match au sérieux. Paganelli s'engouffre dans la surface de réparation. Il n'a pas de solution. Il joue en retrait. Mais c'est mal renvoyé. Batiston récupère. Il déborde sur le côté droit. Un centre. Tête de Johnny Rep. C'est cafouillage devant la cage finlandaise. Toujours 0-0 à la 14e minute de jeu. Batiston à la touche pour Paganelli. Jean-Louis Anon qui centre. Larios qui ne trouve pas preneur. Santini qui récupère. Une frappe détournée. C'est un billard. Platini qui frappe. Et c'est la parade du portier finlandais. Il y a toujours 0-0. Mais c'est vrai que les Stéphanois commencent à vraiment mettre de plus en plus de pression sur le but des Finlandais. Mais les Finlandais vont craquer. 30e minute de jeu, encore un ballon perdu.
aux alentours du milieu de terrain. Larios, Platini, Platini, Paganelli. Et Paganelli qui vient ajuster cette fois le portier finlandais. 1 à 0 pour les Verts. C'est logique. Et comme au match aller d'ailleurs, on se souviendra que les joueurs finlandais avaient craqué à la 30e minute. Ils avaient tenu une demi-heure de jeu. Et là, il en fut de même à Geoffroy Guichard. Johnny Rep, Paganelli. Paganelli encore lui, Festival. Et il vient inscrire un second but qui ressemble d'ailleurs au premier. Il se débarrasse de la défense et vient ajuster dans le petit filet le portier finlandais. 2 à 0 pour Laurent Paganelli qui signe là un doublé juste avant la mi-temps. En seconde période, les Verts bien sûr continuent cette domination. Un match à sens unique, hein. Jean Castaneda n'aura touché aucun ballon dans ce match. Larios pour Jean-Louis Zanon. Jean-Louis Zanon qui prend sa chance à l'entrée des 18 mètres, mais ça passe au-dessus. A noter la très bonne rentrée de Jean-Louis Zanon qui était titulaire aujourd'hui dans le 11 stéphanois et qui a vraiment livré une très très belle prestation. Batiston sur le côté, il sert Paganelli et c'est le 3-0. C'est le triplé pour le jeune joueur stéphanois. 3-0, c'est le même score qu'au match aller. Et on va revoir un très très bon service de Batiston sur le côté. Il sert Paganelli, un contrôle, une frappe croisée et c'est le 3-0. 65e minute, Johnny Rep. Il sert Larios mais c'est contré. Finalement le ballon est récupéré mais sera perdu. Paganelli qui récupère et Paganelli qui vient inscrire le quatrième but. C'est un quadruplé. Laurent Paganelli en état de grâce cet après-midi à Geoffroy Guichard. Certes face à une très faible équipe du Cupio Palocera qui ne cesse de multiplier les pertes de balles à l'entrée de la surface de réparation. Et forcément ça coûte très très cher. Paganelli qui vient inscrire le quatrième but. Oleksiak sur le côté, Paganelli qui centre, tête de Zimaco. Mais cette fois c'est bien arrêté par le portier finlandais. On arrive à la fin de ce match, 86e minute. Encore un ballon perdu, Batiston au pressing. Il sert Jacques Zimaco. Il y va tout seul, il va certainement inscrire le cinquième but, mais non, il perd son duel. Et qui a suivi? Laurent Paganelli. Incroyable. 5 à 0, 5 buts de Paganelli qui vient faire un quintuplé. Lui qui avait été critiqué au match aller, il n'avait pas fait une bonne performance en Finlande. Et d'ailleurs Zimaco qui rate vraiment son duel, là heureusement que Paganelli avait suivi. 5-0, la coupe est pleine et le match n'est pas fini. Zimaco qui sert Oleksiak sur le côté, Oleksiak qui s'engouffre dans la surface de réparation, il va plus vite que tout le monde et il vient inscrire le sixième but stéphanois. 6-0, ça sera le score final. 5 buts de Paganelli, 1 but d'Oleksiak. A noter aujourd'hui les très bonnes donc rentrées de Zanon et Oleksiak qui ont vraiment livré un très très bon match. Et Saint-Etienne qui donc, sans aucune résistance, se qualifie pour la suite de cette Coupe UEFA. Voilà, de retour au stade Bonal où Sochaux mène 2 buts à 0. Pour le moment, c'est un 100% pour les club français avec vraiment la belle prestation de Saint-Etienne face à cette modeste équipe finlandaise. Mais là nous sommes donc au retour au stade des Charmilles où Sochaux, on l'espère, va continuer à pourquoi pas marquer un troisième but mais à garder ce résultat et à se qualifier tranquillement pour les 16e de finale. Et pour cela il va falloir jouer à fond cette seconde période. Et c'est les joueurs du Servette qui ont été assez décevants cette première période, deux occasions franches. Mais voilà, après ils n'arrivaient pas à se procurer la moindre occasion. Tout ça grâce à un très bon milieu de terrain, une belle défense aussi. Allez, Stopira maintenant à l'attaque. Stopira face à Dutoit. Stopira le centre. Revelli qui ne peut pas récupérer. Jadaoui qui va récupérer ce ballon tout de même. Djenghini maintenant dans la surface. Elle a tenté la petite feinte mais ça n'a pas marché. On dégage au loin du côté des joueurs des Servettes avec Benoît pour Ivezic. Anziani va vite.
Il est face à Mustapha. La passe pour Bonnevé, le centre qui ne marche pas. Attention là au dégagement. Posca pour Anziani. Oh la faute de Maté. L'arbitre qui vient le voir, il dit de se calmer à Maté. C'est la dernière fois, je pense, avant que l'arbitre ne sorte un carton. Et Anziani qui va faire le coup franc. Gengini de la tête. Ouais, bien joué. C'était pas assez fort par contre pour tromper Milani. Et les joueurs du Servette pour le moment qui n'arrivent pas à sortir de leur moitié de terrain. Djadaoui s'est récupéré tout de même. Ça y est, avec Maté maintenant face à Djadaoui. Maté, il préfère passer en arrière pour Dutoit. C'est vite repris par les joueurs de Sochaux qui sont vraiment à tous les ballons. Stopira qui n'hésite pas à venir aider ses coéquipiers en défense avec Anziani pour Ivezic. Revelli. Ouais, malheureusement la passe de Revelli qui ne donne rien. Et le joueur est hors-jeu, Maté hors-jeu. Ouais, oui, oui. Là, il est parfaitement hors-jeu d'un mètre à peu près. Et c'est un changement sarrasin qui remplace Mustapha pour le Servette. Attention Gengini dans la surface. Malheureusement, ça ne donne rien. Ouais, Albert Rus qui va pouvoir récupérer tranquillement ce ballon. Il l'envoie pour Stopiran qui ne peut pas le récupérer. Ivezic à la lutte. Mais c'est Guyot qui récupère. Attention, peut-être un contre ici, Ivezic. Ouais, le tacle encore une fois assez rude du défenseur du Servette. Maté. Il n'y a pas de solution, Maté. Il préfère passer pour Valentini. Ouais, il passe Benoît. Valentini, le centre. Personne à la récupérer. Attention, il y a le cafouillage de la surface. Ça ne donne rien pour le moment. Une nouvelle fois. Ouais, heureusement, il y a la grosse maladresse. La frappe complètement loupée de Maté. Attention aux erreurs d'inattention. Attention aussi au dégagement. Ah, il passe vraiment à côté, celui-là. Allez, Zandona qui va remplacer Benoît. On fait rentrer du monde en défense maintenant. On a envie de garder ce résultat du côté des Sochaliens. Il reste un peu plus de 20 minutes, 25 minutes à peu près à tenir maintenant pour les Sochaliens. Anziani. Le centre, Stopira qui ne peut pas récupérer Djadaoui. Gengini, la frappe de Gengini s'est contrée. Il va avoir une deuxième chance peut-être. Il va préférer centrer Gengini. Ouais, il donne le tournis au défenseur. Patrick Revelli qui ne peut pas récupérer. Ah, malheureusement, c'est pas un gros match que fait Patrick Revelli. Il a fait la passe décisive pour Stopira, mais ça s'arrête là. Il y a eu ce pénalty raté. On ne peut pas lui en vouloir de ne pas faire un bon match. Il est souvent là. C'est vraiment un joueur d'expérience, un joueur qui connaît ses soirées européennes. Il est là pour donner un petit peu de son expérience, exactement, avec Gengini maintenant qui a le ballon. Il va plus vite que Valentini. Stopira, il n'a pas trop de solution. Le centre, peut-être Revelli qui ne peut pas récupérer malheureusement. Anziani, le centre, personne à la récupération. On joue peut-être un petit peu trop rapidement là du côté des Sochaliens. Il faudrait peut-être penser à mettre un peu le pied sur le ballon. Allez, encore 20 minutes à tenir pour les Sochaliens. Toujours 2-0. Les buteurs sont Djadaoui et Stopira en première période. Swigart pour Guyot. Schneider, le centre, il a réussi à récupérer. Personne à la reprise. On va pouvoir se dégager comme on peut du côté des Sochaliens. Attention, le mauvais dégagement. Swigart, ouais, il a tenté de lober Rust, mais heureusement il est bien au premier poste. Albert Rust, il est là pour récupérer ce ballon. Ivezic pour Djadaoui, ça va vite du côté des Sochaliens maintenant. On va vite dans la surface, la frappe une nouvelle fois au loin de Djadaoui, mais cette fois il est un petit peu déséquilibré, sa frappe est partie complètement à côté. Ah, ça va vraiment vite, hein, d'un côté comme d'un autre. Le ballon n'a pas le temps de s'arrêter. Allez, Ivezic pour le contre. Stopira. Ouais, il a pas, par contre, Stopira n'a pas trop de solution. Il est tout seul. Ouais, il est contré. Guyot qui va pouvoir dégager. Attention, Revelli.
Il a tenté de récupérer le ballon, ça n'a pas fonctionné. Swigart, maintenant, qui lance Mathieu, attention, il va plus vite. Oh, le grand pont de Mathieu, c'est superbe, la frappe. Ouais, par contre, là, c'est moins beau. Il s'en veut, Mathieu. Ah là, la belle feinte de Mathieu qui a réussi à se défaire des deux défenseurs. Malheureusement, il y avait peut-être mieux à faire. Et heureusement pour Sochaux, toujours 2 à 0. Zandora qui touche un de ses premiers ballons. Zandona, pardon. Pour Gengini. Zandona dans la surface. Zandona, il est face à Koutaz. Préfère repasser pour Gengini. Le centre. Ouais, malheureusement Révelli. Ah, Anziani qui loue complètement sa reprise. Posca pour Bonnevé. Ivezic. Ah, il a poussé un petit peu trop son ballon et s'est contré. Cucinota face à Ivezic. Heureusement c'est Ivezic qui récupère. Anziani, ouais, le tacle, il est... Il n'y a pas faute, si estime l'arbitre. Schneider, attention, il est tout seul. Oh, le but! Le but pour le Servette. Et là, Albert Rus s'est fait complètement avoir. Alors, je ne sais pas s'il y a hors-jeu, mais Sarrazin me semblait un petit peu seul. Ah, il faut revoir les images. Il y a bien but, hein, l'arbitre de touche ne signale pas de hors-jeu. Regardez, il est tout seul et Albert Rust mais se fait complètement avoir. Ah, je sais pas s'il pense que le joueur ne touchera pas le ballon. Regardez Albert Rust qui va à la tombée du ballon. Et là, Sarrazin qui peut redresser ce ballon et pousser le ballon au fond des filets. La grosse erreur de la part de la défense sochalienne. Et alors attention, il reste maintenant 8 minutes. 8 minutes à tenir pour les Sochaliens en se prenant un but comme ça, mais on se fait peur. Et j'imagine que là, les joueurs du Servette vont mettre les bouchées doubles pour tenter une égalisation. Alors là, ce serait vraiment une grosse erreur, une grosse honte, j'allais dire, mais c'est peut-être pas le mot qu'il faut, mais ce serait terrible pour cette équipe sochalienne de s'arrêter à ce stade. Alors qu'elle menait sur l'ensemble des deux matchs par 3 buts à 0. Mais il en faut peu des fois pour qu'un match bascule. Du toit. Et là, on voit que les joueurs du Servette de Genève sont présents. Et changement, ouais. Gengini qui a fait un bon match, qui va être remplacé par Jeff Koviak. Pour les 4 dernières minutes. Ouais, c'est bien joué. La défense, heureusement, elle est là. Ouh là là, on joue un petit peu avec le feu, là, du côté des Sochaliens. Cette passe en retrait de Jeff Koviak à Albert Rus, c'était peu rudimentaire. Posca. Ouais, Bizini qui récupère pour Dutoit. Dutoit. Guyot. Allez, il reste une minute à jouer. Avec une minute d'arrêt de jeu, et Sochaux pourra passer en 16e de finale. Ce serait une première historique pour cette équipe. Attention, Stopira qui roule, qui court peut-être plus vite, mais non, c'est dégagé pour Cucinota. Allez, on peut dire que là, Sochaux va se qualifier. Il faudrait vraiment un cataclysme pour se prendre deux buts en si peu de temps. Pareil, hein, les supporters adverses du Servette, pardon, ne sont plus confiants du tout. Et c'est fini, voilà, sur cette victoire, 2 buts à 1 des Sochaliens qui ont fait le travail. Voilà, 2 buts marqués en première période, et bien il y a eu ce but, voilà, j'espère qu'il servira de leçon. Ne jamais abandonner un match jusqu'à la fin. Et il y a eu ce penalty, voilà, qu'on revoit manqué de Patrick Révelli. C'est un très bon joueur, tout le monde peut louper un penalty. Voilà, bon, on se retrouve très bientôt pour les 16e de finale. Ce sera contre le Boavista. Voilà, ça va être un match difficile car les joueurs de cette équipe de Boavista est une équipe difficile à battre. Voilà, donc Sochaux, on les retrouvera dans une semaine pour ce match aller. Et ça se passera à Bonal. Bonne soirée à tous et on se retrouve très bientôt. Salut à tous.